Félicitations fréquence, les machins 13, c'est côté à vous tous de la part de Dandy 33. Alors il est 21h et on est vendredi 27 mai 2016. Et c'est reparti pour le QSO national du canal 27. Alors est-ce qu'il y a déjà du monde là qui serait derrière la porte? Oups, hey, à chaque fois je fais le coup, hein. Hachis 3 coups, les bonnes 73-51. Eh oui, j'étais à 3 watts 5, là voilà, je suis monté à 4 watts un petit peu fort, hachis 3 coups. Ok, ça va mieux là. Ok, tu es tout seul ou il y a déjà du monde? Ok, bon, on va attendre qu'il y en ait quelques-uns qui arrivent avant de faire QSY, parce que là, si on s'échappe là de suite, des stations vont arriver là, vont peut-être pas forcément nous entendre, et pourtant, c'est pas l'envie qui m'en manque, vu le bruit qu'il y a derrière. Hachi. Pas du tout, j'ai simplement le retour que tu as donné, c'est-à-dire Florian, mais lequel Florian? Parce que je l'entends pas du tout, hein. Je sors rien du tout à part des QRM de mon côté. Ah ok, c'est le Florian qui est de ton côté, ok ça marche, je sais pas s'il m'entend, les bonnes 113-51 à lui. Mais là, j'ai que du QRM, là, c'est tout ce que j'ai, là. Mais je pense qu'il va falloir qu'on fasse un petit QSY, que tu le signales sur le forum, et puis, pour une fréquence propre, puis enfin, on va faire un QSY. Ah ben pour le QSO national du canal 27, la fréquence propre est déjà toute trouvée, hein. C'est-à-dire le juste 5 kHz plus bas, c'est autrement dit sur le 27-270. Voilà, déjà avec Michel, c'est vrai qu'on avait déjà adopté ça. C'est vrai que là, la fréquence est beaucoup plus propre que là en terminaison 5. Et jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'on s'en sort pas trop mal comme ça. Tout le monde, il n'y a que nous, Hachi. Allez, on y va. Ok, c'est parti. Ok, voilà, je suis rendu. On reste en uniforme Sierra Bravo ou on passe en Lima Sierra Bravo? Ok, c'est parti. Ok, rendu. Il y a du monde. Waouh, tu passes mieux là.
C'est ça la mieux, là. Ah, tu m'étonnes. Et par rapport en uniforme Sierra Bravo, là, ça passe beaucoup mieux. À moins que t'aies arrangé un petit peu de ton côté, mais là, ça passe beaucoup mieux. Ok, mais alors attends, parce que t'as parlé en même temps que Florian, vas-y, je retourne le micro à Florian, vas-y, dis-moi Florian. Alors Florian, je ne le sors toujours pas, pour ça il aurait fallu que j'ai eu le temps d'aller là, m'installer là sur la colline, là pour arriver à l'entendre, mais depuis le QRA, c'est, ça serait vraiment exceptionnel que j'arrive à l'entendre. Là je suis caché moi là ici un peu là. Ok, ok, bon ben ça va, tu me comprends à peu près là. Ah ben toi Eric, il n'y a pas de problème. Je l'ai signalé sur le forum, je suis en train de m'occuper là, de la partie Facebook. Ok, n'oublie pas le livre de Sierra Bravo. Voilà. Ouais, ouais, bah justement, voilà, comme je le remets, on vient de passer sur le 27-270 MHz en Lima Sierra Bravo. Voilà, là je t'ai lu le message là, intégralement. Je vois pour aller à la pêche. Ouais, va à la pêche au vieux fond, t'as raison. Bon, attention, les stations fréquence pour le QSO national du canal 27. On vient de faire QSY sur le 27-270 en Lima, Sierra Bravo. Voilà, je répète, pour les stations qui seront en fréquence là derrière, on vient de faire QSY sur le 27-270 en Lima, Sierra Bravo. C'est reparti pour moi. Bon voilà, j'ai balancé là deux fois l'appel, bon on verra bien. Attends, Rémi, juste une seconde parce que tu as parlé en même temps que lui. Vas-y Florian, combien? Vas-y, attends. Ok, bah, j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de monde là avant de commencer à parler là, de choses et d'autres. Est-ce que tu as des nouvelles de Michel? Parce que là, de mon côté, là, j'ai rien eu. Hein. Je retourne à la pêche. Bon alors, attention les stations en fréquence. Michel, l'eau du 33, les autres stations là, qui seraient derrière en train d'attendre le QSO. Nous venons de faire QSY sur le 27-270 en Lima, Sierra Bravo. Voilà, pour nous, c'est le 27-270 en Lima, Sierra Bravo. J'y retourne.
Bon, j'ai repassé à nouveau l'appel. Avec Ludovic, à chaque fois, je me mélange les crayons. Bon, c'est pas grave, je pense qu'il se sera reconnu s'il est derrière la porte. Hachi. Ah bon, d'accord. Bon, j'y retourne, je renouvelle l'appel. Bon, attention à les stations fréquences. Pour le QSO national du canal 27, s'il y a du monde derrière la porte, on fait QSY sur le 27-270 en Lima, Sierra Bravo. On fait QSY sur le 27-270 en Lima, Sierra Bravo. C'est reparti pour moi. De retour. Ouais, salut du monde. Pas plus que ça, non, je suis un peu surpris. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier ce soir, la télé, je sais pas. Non, c'est que j'ai entendu Bastard de Propagne sur le Cible 5, c'est peut-être pour ça, ils sont tous peut-être partis là-bas. Hein. Ah, c'est pas impossible. Ouais. Bon, on verra dans quelques minutes. Sinon, s'ils sont tous là-haut, justement, à passer des appels, bon, ben, ils ont bien raison d'en profiter de la propague. Hein. Voilà, à chaque fois, c'est du temps présent, donc auquel il faut profiter. Donc, s'il n'y a pas plus de monde et tout, bon, ben, c'est pas grave. Hein. On repoussera le QSO à demain soir, et puis c'est tout. Hein. Bon, on verra bien. Ouais, j'ai eu, sur le forum, donc, il y a 2033. Delu 33, non, là tu te mélanges les crayons. Delu 33, il est sur Florac de ce côté-là, quoi. Non, il a mis un petit message comme quoi sur le forum, là, sur Abra, je suis en fréquence dans le département 86. Ah oui, merde, j'ai pas vu. Alors, hello, je suis en fréquence dans le 86, on va voir s'il y a des stations dans le coin. D'accord, eh bien, tu vois, je découvre le message, Hachi. Je croyais que j'avais Alzheimer un petit peu, là. Non, c'est que je suis arrivé un petit peu, là. Donc, pour tout te dire, après 2 heures de route, tu vois, je suis arrivé au QRA pour vite sauter sur l'ordinateur, pour vite faire ce que j'ai à côté, ce que j'ai à faire à côté, ceci, cela, ainsi de suite, pour vite passer à table, pour vite être prêt devant la station. voilà comment s'est passée la soirée, quoi. Ouais, ça a eu beaucoup de roulage. Ah, c'était la cata ce soir sur la rocade, hein. Oh la vache! Ah ouais, parce que le temps de débaucher, ben 19h rendu au QRA. C'est. Voilà ce que ça a donné, quoi. Ouais, ouais. Et par contre, je me suis pour la dernière fois, hein, comme je disais, j'avais un problème avec mon poste. Je me suis dit, j'avais la carte qui faisait faux contact à l'intérieur avec le stationnement privé. Et j'étais obligé de régler le petit problème, voilà. Donc, je pense que tu m'entends bien, là, non? Ah ben là je t'entends bien, il n'y a pas de problème. Hein. Eh bien tiens, tu parles de problème de TX. Là j'ai le dernier coup, là c'était avec le 3009EL où j'avais un petit souci quand il chauffait là, au niveau de la radio. Bon bref, j'ai mis le 6009 à la place. Et le 6009 il me fait des farces. Hier, ouais, je t'avais dit comme ça, tiens, c'est curieux, quand je suis sur le 19, uniquement sur le 19, on me dirait qu'il fait un petit peu du duplex, puisque pour le coup, je me retrouve avec un décalage de 10 kHz entre l'émission et la réception. La réception sur le 27185.05. Et l'émission sur le 2784.95. Il n'y a que sur ce canal-là où ça fait ça, tout le reste ça marche très bien. Ce matin, nouveauté, Radio Pro, pour qui, pourquoi, dès que je passais en émission, il y avait du harcèle qui passait dedans. Hachi. Après, j'éteins le poste, je le rallume, il m'affiche 88. Alors là, je sais pas d'où ça sort. Cet après-midi, il m'a refait le coup à nouveau.
Et je sais pas si tu m'as appelé là quand je suis sorti du pro, mais pourtant quand je suis parti, je suis sûr que d'avoir mis le poste sur le 19. Et puis au bout d'un moment, ça commençait à me saouler d'entendre les étrangers là, en AM. Je regarde le poste, putain, mais il avait basculé sur le canal 2. Ah, j'ai rien compris au film. Après, je repasse le micro à Florian, là. Je voulais juste te dire, la fois que tu viens de me voir, quand tu auras un moment, que je te montre comment il fonctionne, le poste. Parce que je suis sûr que tu n'as pas eu le bon emploi, et il y a des choses que tu as zappées, là. Et là, je suis sûr, parce que je crois avoir compris ton problème. Eh ben, j'ai rien touché, j'ai fait aucune manip. C'est plus ce petit problème de radio que tu avais remarqué aussi sur le 6009, là, quand j'étais chez Tonton Job. Là, quand j'étais en train de faire un test, justement, au niveau réception, pour voir si chez lui, il n'y avait pas trop de QRM ou quoi que ce soit. Car dans sa rue, c'est une vraie toile d'araignée, là, au niveau des câbles électriques. C'est hallucinant, quoi. Je m'attendais au pire. Et puis non, au contraire, il peut se remonter, il n'y a pas de problème. C'est toi, à peu près, depuis là où je ne mets pas en cause le test que j'ai fait chez lui, ça n'a absolument rien à voir. Mais peut-être plus avec la chaleur, je sais pas. Là, je sais pas. Ah ouais, ok. Il faudra que je te montre, parce que toi, des fois, je vois dans les télévisions où que tu es sur pied poil sur le canal et que ton bouton il est décalé. Je le vois avec la position du truc. Il faudra que je te montre comment on fait pour remettre tout en ligne. Parce que que tu n'avais pas eu le bon emploi. Je te montrerai où est le problème. Parce que c'est un truc tout simple, tu verras. Allez, attends, Florian. Mais non, j'ai fait exprès. C'est là qu'on m'entend mieux sur cette fréquence. Que tu as vu, c'est normal. C'est là, c'est sur cette terminaison. Zut, c'est sur cette terminaison-là qu'on m'entend le mieux. Et même sur les vidéos de Gilles, je m'en suis rendu compte. Et il n'y a que comme ça, apparemment, que je serai le mieux calé. C'est là où on m'entend le mieux, quoi. Et apparemment, de ton côté, ça doit être pareil aussi, parce qu'à chaque fois qu'on fait QSY sur le canal 20 en USB, je me mets sur le même décalage, et bon, tu me dis rien, c'est que ça doit être bon à chaque fois. Ouais, non, mais c'est pas ça que je veux te dire. Alors, ce que je veux te dire, c'est que quelquefois, c'est sur la fréquence, tu vas être un peu plus 5, et ton curseur, il n'est pas tourné dans la bonne position. Je te montrerai comment on fait pour que ça soit pile poil, parce que normalement, ça doit se décaler de 5 grammes d'un côté, 5 grammes de l'autre. Je t'expliquerai ça, c'est plus facile de venir le voir. Parce que tu verras, après, c'est pour ça que tu as eu comme problème que tu m'as expliqué tout à l'heure. Là. Ouais, comme s'il me faisait du duplex. Ouais, c'est bizarre parce que ça il ne le fait que sur un seul et unique canal. Voilà, je passe sur le 18, je passe sur le 20, il ne le fait pas du tout et l'émission est égale à la réception. Et là, pour qui, pourquoi, sur le 19, eh ben voilà, il s'est foutu en décalage. Mais il y a aussi ce problème de où il part en rideau là quand je l'allume et qui m'affiche 88. Ça aussi c'est bizarre. C'est peut-être dû à la chaleur, je sais pas. Ok. Mais attends, allez, on va laisser un petit gars, on va faire des vols, parce qu'ils vont peut-être arriver.
j'aimerais, mais là, non, je ne vois pas parce que. T'as regardé sur le bon coin? Je vais retourner faire un test, là, relancer un appel général là, sur le 27-275, là, pour voir un petit peu ça, parce que bon, c'est quand même étonnant qu'il n'y ait pas plus de monde. Maintenant, si c'est la propague, ben, pas de souci. Je relance à nouveau un appel général sur le 27-275, je reviens aussitôt. Alors attention les stations fréquence pour le QSO national de canal 27. S'il y a du monde derrière, on a fait QSY sur le 27-270 en Lima Sierra Bravo. Alors les stations qui seraient en fréquence là derrière en attendant le QSO national du canal 27, on a fait QSY sur le 27-270 en Lima Sierra Bravo. J'y retourne, c'est reparti pour moi. De retour. Ouais, ok. Oui, l'ami, vas-y. Non, c'était simplement pour dire que j'étais de retour. Ouais, ouais, ouais. T'as vu, non, non, rien. Non, 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 pas plus. Bah, où c'est qui ça, nos habitudes, là, qui viennent nous voir, tout ça. Là, dans le temps, les entendent plus. Eh ben, vu comment je bosse en ce moment, j'ai des nouvelles de personne, le hachis. Non, mais bon, je ne sais pas, un petit coup de fil, déjà, de temps en temps, quoi. Non, non, de personne, absolument personne. Et là, à la seconde même, vu qu'à chaque fois je suis à la station, je suis devant le PC. Maintenant je suis en sorte de couper le téléphone car j'y arrive plus. Je suis déjà sur deux fronts, c'est bon là. Le dernier coup le téléphone avait sonné plusieurs fois, ça là je l'ai éteint. Je l'ai éteint pour être sûr de d'arriver et de et surtout de rester dans le QSO quoi. Ouais, alors c'est ça qui est curieux parce que dès le début d'année j'ai remarqué ça. En 2015, il y avait plus de monde le vendredi soir et quasiment personne le samedi soir, ou très peu. Et là, passage 2016, paf, la tendance s'est inversée. C'est étonnant. Autrement, ouais, il y aurait eu plus de monde, j'aurais bien parlé d'une certaine réalisatrice de reportage. Mais bon, pour que ce soit vraiment intéressant,
et ça pourrait même intéresser du monde. Je préfère qu'il y ait plus de monde qui soit là pour en discuter, quoi. Non, mais t'as raison, hein, je comprends ça tout à fait, ouais, ouais. Par contre, je pensais à notre ami de Gelsac, là, qui veut mettre une directive, mais tu sais que la directive, c'est bien, mais ça va être compliqué quand tu as plusieurs, hein. Alors attends, Dolu 33, si tu m'entends. Alors attends, attends, je l'écris en même temps. Alors ok, Dolu 33, si tu m'entends, vas-y, lance un coup de sifflet pour voir si on t'entend. Qui c'est à moi? Ah oui, c'est en bas, d'accord, ok. D'accord. Ouais, oui, il faudrait que tu la montes un petit peu ou tu mettes les autres verticales, ouais, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident, voilà. Allez, à toi, Rémi. Ok, bon, il y a Dolu33 qui a essayé, là, qui a de... Alors, j'ai eu l'impression de t'entendre au loin d'Andy. Mais bon, ça me semble peu probable. Et pourquoi ça? Tu m'entendrais pas, Hachi? Mais oui, il n'y a pas de raison. Ok, bon, ben on a quand même Dolu 33 dans le QSO, mais bon, hélas, il passe pas. C'est où? C'est la Vienne, je crois, non? Oui, c'est ça. Et ça fait quand même un bout de route, hein, depuis la Vienne. Ouais, c'est sûr, oui. Papa, c'est vrai que la propagation est revenue là, depuis quelques jours, ça fait plaisir, ça revient là. Ça dépend des heures, mais là, ce soir, c'est ça, c'est intéressant.